So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Alors, je me souviens plus où j'en ai... Ah oui, c'était Ron qui courait partout! Ron! Flipendo! Ouais, mais je sais qu'il y avait autre chose à faire à part... Je pouvais pas aller là. Parterre de champignons. Champignons! Les champignons! Ah bah oui, j'étais déjà allé là. J'avais déjà lu les critos. Ne pas approcher sans un sort de Wingardium Leviosa. Oui. En même temps, je suis obligé d'avoir Leviosa. Leviosa en venant ici, j'imagine. De toute façon, j'ai assez de... De Jelly Beans, de... Dragé, de Bertie Crochu. D'accord, bah... In the dark. Oh, une dragée, le Bertie Cro... Ouais, c'est quoi? C'est une dragée ou c'est quoi? C'est quoi? La cervelle de macaque. Ah bah oui, j'allais dire un cerveau, mais... D'accord. Tu as 49% de l'histoire, peut-être. Bah purée. Elle était pas très très loin. C'est parti! Professeur Snape, j'arrive! J'ai votre cervelle de macaque. Putain, à chaque fois je regarde le chat en détournant le regard de l'écran et à chaque fois je fonce dans une porte sans rien foutre dans n'importe quel jeu. Bordel! Oh! Oh 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 oh! C'est Edwige! Je me chie des lettres! Parchemin! Ça c'est pratique. Retrouve-moi dans les cachots, ton ami Hermione. Alors, Hermione, dis donc, entre amis on s'écrit pas ce genre de mots! En tout cas pas si tôt, on est qu'en première année, hein, et voilà, enfin, moi je trouve ça un peu précipité, on ne se connaît que depuis un jour, en fait, finalement, la nuit n'est pas tombée, alors calme-toi, meuf, enfin, voilà, bon, d'abord on va trouver Ron. Bravo, tu as retrouvé la cervelle de macaque. Toi t'as rien foutu, tu cours dans tous les sens. Mais, sauvegarder, ce petit connard, c'est... En fait, c'est marrant parce que tu vois le point de sauvegarde et tu peux pas aller. Maison continue. Oh oui. Serre d'aigle. Oh les beats, 18. Bon là, on est censé être fin du deuxième jour en fait pour eux. Pouf souffle. Oh pouf souffle 21. Ah mais pouf souffle sont bien. Ouais, t'es tout seul, ouais. Mais j'espère que les autres vont arriver. Serpentard 36, mais Gryffondor. Attention Gryffondor, combien j'ai fait aujourd'hui? Gryffondor. 30... Oh, d'accord. Gryffondor est en tête du classement. Oh, bon, on l'unique quand même de peu, hein, mais... On dirait qu'on est tous... Ah non, on voit quand même qu'on est un peu plus que les autres, mais quand même. C'est con que je peux accéder à cette salle, sérieux. Elle est trop bien. Ok. Quoi? Au calme. Attends, c'est pas chez toi, Poudlard. Je peux pas aller dans les autres salles en attendant. Alors, on a la grande salle. Et la salle du portrait. Alors, c'est quoi la grande salle? Et juste avant d'aller voir Hermione, j'ai peut-être une autre idée. Parce que j'ai pas été voir le fameux tableau. Des dragées de Bertie Crochu! C'est les crottes de nez? Non, c'est les poubelles, toujours. Ce ne sont pas mes préférés. Attends, la salle des fêtes, elle est badass. Avec des bougies qui lévitent. C'est pas mal. Nanana. Par contre, il est toujours aussi nul pour sauter, Harry. Elle a coupé les cartes de maison. Quatre maisons, je vais les voler. Ah. Je ne peux pas. Ils ont bloqué le Flipendo. Ils savent qu'on peut foutre la merde. Ah mais c'est vraiment dans toute la salle, oh yeah. Dumbledore, j'ai pris ton siège. Ah je pense que je peux prendre son siège, genre, si. Hop 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 hop. Whoop. Mais quel enfoiré,
Harry, tu peux le faire. Tu es un sorcier, Harry. Non, pas assez, visiblement. D'accord, va chercher ton chargeur, Quentin. T'inquiète pas. Harry. Oh, Harry. Harry, tu n'es pas un sorcier. Tu ne peux pas grimper sur les chaises. Bon. Assez perdu de temps avec ces conneries. Il faut juste que j'aille voir... près des gens. Je sais pas si je peux les voir. Normalement, c'est trop tard. Parce que j'imagine qu'on fonctionne par système de jour, plus ou moins. Donc si je me rebarre et que je vais les chercher, je sais pas. Qui vivra verra. Nous verrons. Splendid! Je t'avais complètement oublié. ils étaient par là, il me semble. Il y a de grandes chances. Wow! Les crépitements. Alors, ok. J'ai la solution. Couper le son du jeu. Changer de fenêtre. Revenir sur le son du jeu. Avec le jeu. Et y'en a plus! Roi Quentin, vous êtes là! Alors, tu les as trouvés nos 50 dragées surprises? Non, ça a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. On retente. Alors? Ah oui. Tu les as trouvés nos 50 dragées surprises bleues? Mais connard, je les avais hier! Eh! Hey. Mais... j'ai pas le menu start pour savoir ce que j'ai... Alors, tu les as trouvés nos 50 dragées surprises? Putain, allez vous faire enculer les gars. Oh. M'en fous, je veux. Je peux pas insigner de ton chat toujours, désolé. Je veux avoir accès au portail. Au tableau. Laissez-moi. Je peux trahir tous les mots de passe que vous voulez si vous... Par contre, qu'est-ce que je sais plus où c'était. Salut grosse couille. Couille. Bon, de toute façon, ça sert à rien. J'abandonne. Alors, j'ai des bâtis crochus, c'est pas trop mon truc. Malheureusement. Tu as changé d'année, là ils sont jeunes, mais... Depuis le début du jeu, ils sont pas plus jeunes, tu sais. Oui, je sais que j'ai changé de jour là pour le coup, mais oh. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton balai? Madame Lévin a été très impressionnée par mon adresse au vol sur balai magique. Peut-être qu'un jour je jouerai dans l'équipe de Puddlemore United. Ah oui? Alors tu sais quoi? Je vais te foutre la haine. Je suis venu à Poudlard il y a quelques jours. J'ai poursuivi Malfoy. En lui pétant la gueule, et on m'a fait rentrer dans l'équipe du Quidditch de Gryffondor. Je suis attrapeur. Le plus jeune attrapeur de tout Poudlard. Ou peut-être chez Gryffondor, je sais plus. Bienvenue Harry. Attrape non le balai et commençons l'entraînement. Je veux pas. Arrêtez. Je me suis trompé. Bienvenue au terrain d'entraînement de Quidditch, l'un des sports les plus palpitants de l'histoire de la sorcellerie. Ouais, c'est palpitant. L'attrapeur qui s'empare du vif d'or, ce qui explique pourquoi les attrapeurs... Bah les couilles. Pour ta première leçon d'attrapeur, essaie de voler... Très bien. Ouais, ouais. Attention. Comment s'en battre les couilles de Madame Evin? C'est quoi l'intérêt de jouer tout seul? En fait, les anneaux, c'est pour l'affaiblir, je crois. Enfin... Je sais pas. Très bien, Harry. Cette belle performance... Les ailes d'argent. Mais en fait, c'est par rapport aux dernières que je collecte, je pense. Passons maintenant à la leçon numéro 2 pour le poste d'attrapeur. Oui. Tu sembles très doué pour poursuivre le vif d'or. Mais ah, parce qu'il fallait pas l'attraper. Vole au travers de 20 cercles d'or, puis appuie sur la... Ah mais en fait, j'ai fait le tuto après avoir fait le vrai truc, en fait. 2.
Tu sais que j'ai déjà gagné le match contre Gryffondor en fait. Enfin, avec Gryffondor. Ah, ok. Oh. Hermione, regarde, je vole en balai. Ton invitation au cachot ne m'intéresse pas. Fais ce que tu veux avec Ron dans les cachots, ça ne m'intéresse plus, ça ne vous concerne pas. Oh non, 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 non. Ah, bah les couilles. Je veux attraper le vif d'or. J'ai dit, je veux attraper le vif d'or. Le vif d'or. Ah, il n'y a plus le temps. Oh, un vif d'or. Il est un peu loin quand même. Attends. Merde. Quoi? Attrape-le. Excellent. Oui. Tu viens de... Salut Yous, comment ça va? Ainsi que 25 points pour Gryffondor. 25 points pour Gryffondor. On dirait Navi. Dans un match de Quidditch, l'attrapeur qui s'empare du vif d'or rapporte 150 points supplémentaires à son équipe. Alors pourquoi j'ai pas 150 points de Gryffondor? Généralement, l'équipe de cet attrapeur remporte le match. Je sais, tu m'apprends rien, je l'ai rattrapé. Voyons si tu arrives. Non mais non. Ah non non non, mais je m'en fous. Hein, et non. En plus, c'est un cerf d'aigle. Oh. Prêt? 3. Moi, je suis only pouf souffle. Hein. Je lâche le vif d'or. Mais tu lâches ce que tu veux, moi je m'en fous. Attends, on peut pas le piter sa gueule? Tu n'es pas meilleur que moi! Ah si, peut-être un petit peu quand même. Oh si, on peut les pousser. J'ai même pas quitté, putain! Parce qu'on t'a vu dans Harry Potter, je crois pas. On ne te retiendra pas de toute façon! Oui, que dans le premier, on t'a déjà oublié. Bobby, laisse-moi, entre nous, tu sais très bien que je vais gagner, c'est écrit dans le livre. C'est écrit dans le livre, on a dit. Ah, mais les cerceaux, putain. Ah, j'essaie de... Ok, je peux en skipper combien, finalement. Parce que j'ai pas l'impression que ça handicape vraiment le truc, en fait. Eh oh, gros. Tu sais très bien que tu seras pas le meilleur à Quidditch. Au Quidditch. Le vif d'or. Ah. Le vif d'or. Le vif d'or. Le vif d'or. Ah, le vif d'or. C'est bon, le vif d'or. Le Quidditch, c'est pas ma passion. Attends, j'ai semé l'autre. Esmiagog. Pourtant, j'appuie... Putain. Comment passer à côté des cerceaux? Madame, elle a triché. Ah. Mais il reste quasi pas de temps là. Ah merde! What? Très bien! Très bien, j'ai cette pas attrapé. Performance te vaut les ailes d'argent. Ouais, Yous. En fait, Ah mais j'avais l'or. Dans ce cas, bonne fin de journée, Harry. En fait, je fais les deux. Je vais faire... là, je fais du Harry Potter parce que voilà, j'aime bien. Et après, je vais faire du Kingdom Hearts 2. On me suicide, c'est merveilleux. Splendide, Harry. Tu as lâché tes potes pour faire du Quidditch. En plus, tu n'es pas aussi bon que tu le prétends. Bon, il y a des cadenas partout, ça change pas. Attends, c'est bien la Poudlard. Non. Putain, je... Alors, Poudlard, c'est là-bas. Ce qui paraît logique vu le château, hein, mais... Ah, les dragées des Bertie Crochus. Je suis... Bertie Crochus. Bon, on va aller voir nos amis au cachot. Quel lieu inédit pour les rencontres. Oui, la joie de vivre. Je veux vivre. Allons donner à Rogue l'ingrédient qui lui manque pour finir sa potion. On va avoir de sacrés problèmes s'il nous trouve ici. Il va penser que c'est nous qui l'avons volé.
Quoi? Bah non, parce qu'on l'aide. Oh, mais bon, je me suis arnaqué, j'ai que des trucs à la poubelle maintenant. Putain. La poubelle, la poubelle, la poubelle. La 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 poubelle, la poubelle. Flippendo. Je peux pas faire ma baguette. Flippendo. Finalement, je vais peut-être attendre ici. Rogue me fait un peu peur. Mais quel brouillard. Je te retrouverai au cours de potions. Moi, j'ai envie de faire un petit tour. Tu m'as jamais dit ça. Alors, confirme, il y a deux secondes, tu m'as dit juste que t'étais un gros dégonflé. Tu m'as pas dit que t'allais me retrouver au cours de potions. Et t'as pas dit que t'allais faire un petit tour. Espèce de gros mytho. Oh, what the fuck, il était déjà là. Potter a retrouvé la cervelle de macaque. Macaque. À qui doit-on cette découverte? Splendide. À son brillant cerveau ou à sa mauvaise conscience? Ah, c'est trop bizarre d'avoir alors, cette voix. Potter, où l'avez-vous trouvé? Dans votre tête? Apportez-la moi. Dans sa clash. Mais tu peux pas la prendre. C'est sort du champ la plus longue du monde, putain. Faut attendre qu'il sorte du champ. C'est génial. Au cas où on saurait pas où le suivre. Attendez, monsieur, vous n'êtes pas dans le mur par hasard? La poutre de cheminette alors, chemin de traverse. Ah, chemin de traverse, oh, putain, je suis impatient de faire le 2. Quelle que soit la console. D'accord. Donc je dois crever tout seul en cours de potion. Je vois. Ah oui, sinon ce serait pas drôle, enfin. Tout le monde le sait. Oh là 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 là. Oh là là. Bon. Récapitulons. Oh, tu sais quoi c'est. Ça part en couille. Ça tourne mal. Alors non, je suis obligé de faire des flippendo de toute façon. Et ça ne change rien si je les vise de loin. Flippendo. Flippendo. Wow, la caméra qui bad. Oui, j'explore même s'il n'y a pas grand chose. Allez, hop. La salle du portrait. Non mais, abusez pas là. J'ai passé une salle où il n'y avait rien, pourquoi j'aimerais s'en regarder? Je vais le faire, hein, parce que bon. Ça annonce qu'il y a quelque chose de pas mal après. Ce jeu me fait rire. La 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 la. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Tu vas au cours de potions, Harry? Ne sois pas coucou, en retard, Dream. Te le fera payer. Il cherche toujours des excuses pour retirer des points à Gryffondor. Oh non, la verte. On doit trouver 50 dragées surprises vertes pour notre prochaine expérience. Tu sais, oh non, morve de troll. Celui de la morve de troll. Mais t'as vraiment cru que j'allais prendre ça? Les dragées, et on te donnera le mot de passe du portrait. Mais vous faire foutre? Et mes dragées jaunes, et mes dragées bleues. Quelqu'un a fait de la magie noire dans le cachot. Fais attention où tu mets les pieds. D'accord. En fait, c'est bizarre de vous voir dans cet endroit là, tout seul. C'est extrêmement chou. Wow. D'accord, je pensais qu'ils avaient badé. Putain, c'est cool parce que j'aurais aucun mot de passe de. J'aurais aucun mot de passe de portrait finalement parce que j'ai pas les dragées. Oh là 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 là. Bon alors 100% il est pas pour aujourd'hui. D'accord, les chauves-souris on touche pas. La glissade! Wouhou! Putain de labyrinthe. On se croirait dans un donjon de Zelda, sérieux. Je peux aller où en premier? Je suis seulement au milieu j'imagine. Parce que là. D'accord, là, c'est verrouillé. Nananana. Ils ont la voix de Manu dans Titeuf saison 3. Ils ont la voix de Brigitte Lecordier aussi. Enfin, il y en a un qui a ça et l'autre. Hermione. Enfin, te voilà, Harry. Je crois savoir où se trouve l'objet qui a été dérobé à Gringotts. Mais je t'en dirai plus après le cours de potion. Pourquoi? Dépêche-toi, Harry. Il ne faut pas arriver en retard. Rogue serait trop content d'enlever quelques points supplémentaires à Gryffondor. Ouais, donc pour ceux qui disaient qu'Hermione avait les cheveux courts, c'est faux. Mais Peggy 18, rien du tout.
Je n'ai fait aucune allusion sexuelle jusqu'à maintenant. Vers la classe de potions. Attends, je m'attends à un truc au plus hardcore du jeu là, on est bientôt à la fin, il faut challenge. Et maintenant, écoutez-moi bien, Potter. Pour préparer la potion Wiggenveld, vous devez d'abord activer le chaudron. Ouais. Vous devez donc appuyer rapidement sur les trois touches correspondantes. Ah, rapidement, ça le fait alors. Jusqu'à ce que le chaudron se remplisse. Moi, quand c'est pas du rite, ça va bien. Si vous réussissez à remplir votre chaudron, ce dont je dépend. Vous pourrez l'activer et récupérer la potion. Quel enculé. C'est à vous, Potter. C'est à vous, Potter. Harry Potter. Allez, monsieur Potter. Prépare-toi. Bah, des fois, j'ai des doutes de touche. Putain. Allez! C'est qui a fait la potion? Ça suffit. C'est Bibi. Il faudrait être fou pour s'attendre à mieux de votre part. Les gars, j'étais en speedrun là. Votre travail est plus que désespérant. Ah bon? Allez donc me chercher le bocal de Luciole dans la pièce d'à côté. Bah, en fait, est-ce que j'ai mal fait le truc? Monsieur, pourquoi je vais au courant? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais... Organisation 13, te revoilà! Xehanort! Xehanorto! Oh putain, what the fuck? Attends, on en parle qu'on est quand même dans Harry Potter 1 et on a jamais vu le prof des forces contre le. Non. Défense contre les forces du mal, on l'a jamais vu! Moi je sais ce qui va se passer plus ou moins après, mais quand même! Jusqu'à maintenant, vous êtes d'accord, on l'a jamais vu, on a juste vu un mec qui se balade en tenue noire, mais. Aucune allusion. Genre la défense contre les forces du mal, on s'en bat les couilles. Fais les cours de potion, fais du Quidditch, emmène couille dans le jardin, va chercher la cervelle des macaques, mais se défendre, non. La lave aussi. Les champignomes. Ah! Enculé! Oh! Oh oh oh! Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi tranquille! Donc apparemment on peut que les viser avec ça. Bon. Très bien. Bonjour. Bonjour monsieur le troll! Ah! Désolé mais ça... La mort la plus ridicule du monde! Oh mon dieu! Qui s'est chopé la grise? Qui s'est chopé la grise dans la gueule, il est mort! Oh, c'est excellent! C'est excellent! Je vais te comprendre! Oh putain! Quentin, spoil pas les gens qui ont pas vu Harry Potter. Ok, Je vois. Non, c'est même pas la mort des nuls, c'est la mort géniale! Qui aurait pu espérer mieux? Bon, du coup, faut qu'il aille là-dessus. Je crois. Allez, 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 allez! Allez, 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 allez! Coucou! T'es con! Non, enfin, si je dois arriver à 50, ça va pas de mal à bail. Oh! Allez, viens! Go, 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 Power Rangers! Oh! Non! Hein? C'est un complot! C'est pas moi, monsieur l'ogre! C'est Ron! C'est Rod! Vous le voyez pas, c'est normal! Ah.
C'est moi ou tu vas manger. Attends. Tu. Wow. C'est moi ou tu vas manger. Le gâteau, mangez-moi d'aller sur le pays merveilleux pour être plus grand des trolls. Que les trolls. On dirait. T'as pas compris, je parlais pour KH3 pour Harry Potter. Le mort des nuls. En quoi c'est un rapport avec ce que ta phrase d'avant? Vers le fond du puits. Harry, et c'est moi Raymond. C'est qui Raymond? Est-ce que tu peux apercevoir mon chaton, toi? Moi je n'arrive pas à le voir, mais je l'entends miauler en bas. Putain, on entend la voix de Malfoy. T'es vraiment l'enculé. Je t'ai reconnu, hein. Ah, mais je me souviens de cette phase avec le chat. Maintenant. Je sais qu'il est par là. Putain, mais son chat... Mec... Rip, ton chat, il est mort là-dedans. Hein. Enfin, voilà. D'accord. Minou, minou, minou. Es-tu vivant par hasard? Mais de toute façon, les tailles dans Harry Potter, ça va tellement rien dire. Ouais, ça j'ai lu, Quentin, t'inquiète. C'est parce que j'ai pas répondu que je n'ai pas lu. Putain, le rat! Ah! Je me fais accoster par un rat! Le chat, aide-moi! Attends, viser. Pourquoi viser, ça marche plus? Attends, je me fais violenter par un rat. Ok, alors attends, attends. Pourquoi la vis, ça marche pas? Ah, le chat! Bouffe-le! Le rat est plus grand que le chat! Laisse le chat! Tranquille! Laisse-moi le... Laisse-le tranquille! Ah voilà! Voilà! Monsieur le chat! Allons-y! Mais il est tout minus! Le rat de Ratatouille, je l'aurais bouffé! Mais c'est un chaton ton truc! Viens! On va affronter Voldemort, viens. Allez, viens. Viens. Allez, viens, je vais te montrer d'autres horizons. Allez, viens, je vais te montrer la garnison des chatons. Ouais, au cas où, je vais pas trop vite, toi, parce que... On connaît ces jeux où les gens doivent nous suivre, ils font toujours un aller-retour, je sais pas où. Elle est où les difficultés là? Par contre, comment je te le passe ton chat? Je suis sur la cour de potion, hein. Je veux dire qu'Hermione s'est fait tout ça. Alors, Hermione est passée là et s'en est foutu du chat, c'est gentil, hein. Regarde, j'ai ton chat! Ah bah oui! Wingardium Leviosa. Merci Harry. Tiens, pour te prouver ma reconnaissance, je te donne une carte des sorcières et sorcières. Ah oui, tout à fait. Oh oui, une carte. Ça m'a surpris parce que j'étais en train de boire. Qui est-ce? Je veux Dumbledore. Consultez la bonne carte. Qui? Strouder? Attends, attends, ça me fait aller où ça? Ok, oui. Edgar Strouger. Strouger. 1703-1708. Il me dit quelque chose en plus, ce mec. Inventeur du scrutoscope. D'accord. C'est tout? Merlin. Moi, j'ai pas beaucoup de cartes hein, quand même. Enfin, deux, c'est pas beaucoup quoi. Mais du coup, j'ai pas regardé ce qu'il y avait au fond. Parce que je sais qu'il faut aller là du coup, mais. Tout ce que je sais, c'est que je vais bientôt crever. C'est dingue comme la vie remonte pas vite. Hein. Flipendo!
fallait peut-être vraiment continuer là. Non, d'accord. En fait, donc monsieur le chat a spawné ici et était sûrement en train de se balader. Je vois. Cours, Harry, cours! Oh là là. C'est vrai qu'Harry Potter dans Kingdom Hearts, ça pourrait être marrant, mais... Malheureusement... Je ne pense pas qu'on verra ça un jour, mais ce serait hyper stylé. Moi, je kifferais trop. Qui a-t-il le Dream? Oh non, non, pas les phases de plateforme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça dort, ça? Oh non, 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 non. Pas les conneries avec les trolls. J'avais oublié ce passage. D'accord. Why not? Ouais, puis je suis censé faire quoi là? Wouh! Non, d'accord. Allez. Harry, tu es un génie. En plus, il n'y a pas de temps. Harry! Parce qu'il savait que les contrôles étaient de la merde. Non, c'était juste pour ça. D'accord. Je peux voler! Et crever en même temps. Mais en fait, j'ai déjà fait mon cours de potion. Je devais aller à la salle des chaudrons. Donc Hermione n'est pas arrivée là. Oh. Oh non, 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 non. Non, c'est quoi ces conneries là? C'est quoi ces conneries là? Flipendo? Ok. Oh putain. Mec! Ok. Bon, j'ai pensé qu'ils sautent pas de temps en temps, ouais, mais... En même temps, autant de dragées de surprise, je peux comprendre. Harry! Tu es un empoté! Attends, c'est Excalibur là-bas? Go! Non, non, pas go, pas go, pas go. Mais c'est beaucoup trop loin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a bien le rebord là. Ta gueule. C'est vrai qu'il y avait, ce passage où en fait tu peux t'en battre les couilles et les chaudrons et passer par là. Attends, j'hésite. Ok, j'aurais pas dû hésiter. Mais entre nous, ça passe pas là. Ah oui. Choco grenouille. C'est un levier. Eh bah dis donc. Je pousse ce gros levier. Quoi? Tout ça pour ça? 5 points pour Gryffondor. Je passe par le passage à côté. C'est quand même plus simple que de se faire des chaudrons sur l'acide. Ouais.